Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue sur Le Point Littéraire. Aujourd'hui, rendez-vous avec deux auteurs, du moins d'abord Lynn Kamit, ensuite un collectif d'auteurs puisqu'ils ont rédigé un recueil de poésie, du moins. Charles Diapo est l'un des participants, Yahya Igrissou, lui il est postfacier. Ils viendront nous parler de ce recueil de poésie qui a pour titre « Bon vent, Samuel Eto'o fils ». Un livre qui rend bien évidemment hommage au nouveau président de la Fédération Camerounaise de football. On viendra dans un instant très court comprendre les détours et contours autour de cet ouvrage, recueil de poésie. On sait que la poésie c'est pour des initiés. On comprend également que les jeunes poètes se sentent concernés par cette épopée de Samuel Eto'o fils. Lynn Kamit aborde une question particulière, celle notamment de l'orientation scolaire. Faut-il se laisser influencer? Est-ce que les parents ont leur mot à dire dans l'orientation scolaire de leurs enfants? Dans quelle mesure ils peuvent avoir à se prononcer? Eh bien, on saura parce qu'autour d'une histoire d'une jeune demoiselle, il y a de véritables problématiques qui sont abordées en plus de la question de l'orientation scolaire. On parle également de décapage, on parle problèmes, mais alors des fautes qu'on peut commettre au cours de l'adolescence. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. On va rejoindre dans un instant les différents auteurs.
Pourquoi j'écris pour que la vie soit plus diverse. Parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire. Tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Arrêt premier, ma passion perdue, un livre de Lynn Kamit. Elle est blogueuse, scénariste. Lynn Kamit enseigne la chimie et la physique dans les établissements scolaires de Douala au Cameroun. Passionnée d'écriture et de lecture, sa passion, Ma passion perdue est son tout premier roman. Le point littéraire, l'entretien. Lynn Kamit, bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Bonsoir Monsieur Foucault et merci. C'est un plaisir de vous accueillir, c'est un plaisir pour Yaoundé de vous accueillir. Vous Douala, comment est-ce qu'on se sent depuis le début de votre séjour? Je me sens bien avec la semaine culturelle au Musée National. Les activités évoluent, il n'y a aucun souci. Il y a des radars qui nous font savoir que vous y étiez hier pour échanger autour de votre livre Ma passion perdue. L'accueil du public, comment ça s'est passé? Ça s'est passé bien. Et aujourd'hui, tout de même, j'étais aussi à un café littéraire au niveau de, je crois que c'était Kozoa, oui. Oui. Dans un établissement scolaire. Et donc, j'ai hors de la avec, ville. Oui. Pratiquement hors de la ville, quand même. Oui. J'ai échangé avec les tout petits. On a échangé autour du thème la passion, l'orientation scolaire, en gros, en fait. Alors, le livre Ma passion perdue naît de quoi? De quel, d'un constat ou d'un vécu? Ma passion perdue naît d'un constat. Oui. Je l'ai rédigé lorsque, je crois que j'étais en 2018, j'étais au niveau 2. Je rédige ma passion perdue après avoir observé autour de moi ces petits égarements. Alors, il y a des parents, lorsqu'ils enfantent, à l'instant, à l'hôpital, ils ont déjà décidé du métier de l'enfant. Moi, je pense que c'est à tort. Et il y en a d'autres qui, à cause de leur passion refoulée, à l'enfance, par exemple, ils n'ont pas pu réaliser un rêve à cause du manque de moyens ou à défaut parce que le parent ne connaissait pas l'importance de l'éducation. Oui. Il décide donc que mon enfant fera ce que j'ai pas pu faire. Et moi, je trouve ça à tort parce que chaque personne naît avec une passion, avec un rêve qu'il doit à tout prix le réaliser. Alors, l'histoire Ma passion perdue, c'est celle notamment d'une jeune Binta qui aime la littérature et qui n'arrive pas à accomplir son rêve. Qu'est-ce qu'on essaye de faire passer comme message en fond? Comme message, j'essaie de faire passer... Le message que j'essaie de faire passer ici, c'est que le rôle du parent est celui d'orienter. Orienter ici, c'est guider et non imposer un choix à l'enfant. Oui. Vous observez dans notre société, généralement, c'est ce qui se passe. Un enfant naît, comme je disais tout à l'heure, on a déjà trouvé le métier qu'il doit faire dans sa vie. Ou à défaut, le parent n'a pas pu réaliser un rêve. Et il décide donc que quand mon enfant va grandir, il sera ceci, il sera cela. Et je prends toujours un exemple, celui du célèbre Albert Einstein. Il était un théoricien, physicien. Imaginez-vous un instant, avec tout ce qu'il a accompli dans ce monde, s'il avait été privé de cette passion-là qui brûlait au fond de lui. Il y aura des portes automatiques, des télévisions. Il y a beaucoup de choses. Sa science impacte tellement dans le monde que s'il n'avait pas pu réaliser ce rêve-là, on aura beaucoup de choses, on aura perdu en fait beaucoup de choses. Et Hegel a dit, rien de grand n'est accompli dans ce monde. Sans passion. Justement. Alors le livre nous présente une situation avec cette jeune Binta qui finalement se retrouve, on va dire, perdue
parce qu'elle arrête totalement l'école. Est-ce que c'est toujours la conséquence si les parents essayent d'influencer le choix de leurs enfants? Non, je ne dirais pas ainsi, parce que dans nos établissements, entre-temps, je suis aussi enseignante. Oui. Dans nos établissements, ce que j'ai l'habitude d'observer, c'est dans une salle de classe, vous avez 6 genres d'enfants. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il fait là? Parce que lui-même, il ne sait pas ce qu'il fait là. Et quand tu t'approches de l'enfant, il te donne, te dit, par exemple, je voudrais faire telle chose. Mais le parent a exigé que non, tu dois faire la C, tu dois faire ceci, parce que j'aimerais que tu sois. Oui. Et ça fait quand l'enfant s'assoit en classe, son rôle, c'est de troubler. Oui. Troubler. Parce qu'il est peut-être perdu en salle de classe, oui, il ne comprend pas toujours comprend ce qu'on explique. Il ne voulait même pas être assis là. Par conséquent, si tu trouves une préoccupation, c'est de nuire à l'enseignant. Oui. Et hormis cela, même dans les universités, vous observez, il y a des gens qui ont pris des chemins qu'ils n'auront pas aimé en fait avoir. Donc, la conséquence n'est pas toujours ces genres d'égarement. J'ai pris cette tenue et un peu pour montrer à quel point un enfant peut aller. C'est-à-dire, c'est un peu comme une révolte en fait. Mm. Elle s'est révoltée, elle a arrêté automatiquement l'école, croyant que le parent allait peut-être succomber. Oui. Hélas, elle est partie dans les services sociaux, elle a pris des convocations, ça n'a pas fonctionné. Ça montre aussi à quelle manière ce côté est un peu négligé dans le pays. Je ne comprends pas comment un enfant peut se rendre dans un service social, récupérer une convocation à cause d'un problème familial et qui n'est pas suivi. Oui. Et le parent ne répond jamais à la convocation et on ne demande jamais où est-ce que l'enfant vivait. Il n'y a pas de suivi. Pour la cause, je me suis rendue aussi dans un centre de rééducation. Oui. Et je me suis rendue compte que j'ai un peu essayé de demander comment ça se passe. Je suis rendue compte que lorsqu'on amène les enfants pour une rééducation, il n'y a pas vraiment une vérification. En fait. Parce que pouvoir avoir par exemple un parent qui est troublé lui-même, mais qui vit avec un enfant en disant que c'est lui le problème. Mais qu'est-ce qu'on fait pour détecter si c'est l'enfant le problème ou le parent proprement dit. Oui. Donc c'est un peu une sorte de révolte entre guillemets. Oui. C'est un parent, ça peut arriver que l'enfant se révolte effectivement, se retrouve un peu perdu, comme c'est le cas de Binta dans le livre. Est-ce que le parent n'a pas, à travers son expérience, plus de... Je vais dire, n'a pas davantage de jugeote pour juger du type de parcours que son enfant devrait avoir, peut-être en se basant sur ce qu'il a vu, sur les expériences vécues, peut-être même sur sa propre expérience? Oui, ça c'est l'orientation et non le forçat. Dans mon cas, c'était un forçat. Et aussi basé sur les finances, parce que nous avons tendance à voir dans le monde que, généralement dans nos sociétés patriarcales, que le parent est, l'enfant est une pension retraite. Oui. Ce qui est à tort. Le rôle du parent est d'éduquer, d'orienter, d'investir sur sa progéniture, c'est ça son droit. Oui. Et c'est-à-dire que les parents ne devraient rien attendre après de leurs enfants. Attendre le succès. Attendre et pas le forcément succès. La pension ou un peu d'argent chaque fin de non, mois. Non, un peu d'argent c'est une chose, mais prendre l'enfant comme une pension, ça non, non. C'est un autre problème en fait. Alors ici, j'essaie un peu de décrire cela. Parce que le problème du papa de Binta, ce n'est pas... c'est comment est-ce que l'enfant pourra s'occuper de lui à la vieillesse. Oui. Et il ne s'occupe pas un peu de son état psychologique, des problèmes qu'elle rencontre, ce qu'elle voudra vraiment faire, étant donné qu'il a été conseillé. Hélas, elle est partie, elle a rencontré la conseillère d'orientation de son établissement, qui n'a pas pu rattraper le papa. Oui, et le papa a donc vu, le résultat était donc de l'amener vers un centre de rééducation. Et elle a pu s'en échapper. Oui. Et elle a récupéré une convocation au centre social et rentré à la maison. Le papa n'a jamais répondu à la convocation. Même au niveau de la police, il a décliné totalement. Il ne voulait pas y aller. Oui, justement. Alors, est-ce que Lynn Kamit est féministe? Ça dépend dans quel contexte on le prend. La position ou alors la forte position du père, surtout de Binta, semble poser problème. Le père est un dictateur. Il est cette espèce de roi. Est-ce qu'aujourd'hui, le visage que présente le père de Binta dans le livre devrait être revu, ou alors il est finalement cette figure d'autorité qui devrait rester dans les familles? Cette figure d'autorité devrait être vraiment revue. Il y a des enfants à la maison qui sont totalement frustrés par les parents. Parce que je ne comprends pas comment dans une famille, par exemple, le papa rentre, au lieu qu'on ne fait pas yato à papa, comme on le dit souvent au quartier, on fuit vers la chambre,
c'est un peu terrible à la longue. Mmh. Je me dis que les enfants dans une famille, en fait, le père est un chef. Mmh. Son rôle, c'est d'amener les enfants autour d'une table et de discuter de certains sujets. Mmh. Chez nous, on le fait. Mais généralement, le dialogue amène quelquefois le mépris. Non. Et c'est toujours la solution. Non. Parce qu'à partir du moment où on instaure le dialogue avec l'enfant, quelquefois, il pense qu'il peut vous dire non. Non. Et à tout bout de champ. Non. Non, je ne pense pas. Je me dis, lorsque vous êtes en famille, lorsque vous voulez prendre des décisions importantes, surtout sur la vie d'un enfant, vous devrez l'en parler. Il doit donner son point de vue, c'est très important. Mmh. Même si à la fin, ce n'est pas cela que vous choisissez. Même lorsqu'il s'agit de tout ce qui des problèmes de famille en général, chez nous ça se fait. Même à l'âge de 15 ans, mon papa le faisait. Mmh. Il vous met autour d'une table, il vous dit, il y a telle situation, mais qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que... C'est très important, ça amène aussi l'enfant à avoir le sens de la responsabilité, à voir comment conduire une famille, à un peu, c'est ça. Mmh. Mais généralement, les parents enfin, un peu moins ceux de maintenant, ceux d'avant avaient plus d'autorité sur leurs enfants. Ils étaient des terreurs, ils n'avaient pas besoin d'être aimés, mais ils voulaient être trains. On avait quand même des enfants qui étaient plutôt droits comme des aiguilles. Maintenant, on a instauré beaucoup plus de dialogue et on voit que la jeunesse semble être un peu perdue. Les jeunes fument. Est-ce que finalement, il ne faut pas revenir à cette posture d'avant? Je dirais non. Hmm. Je ne pense pas que c'est le dialogue qui a imposé ce rythme à la société. Je ne trouve même pas d'abord de quel dialogue est-ce que vous parlez. Lorsque je parcours les familles, je ne trouve pas vraiment des dialogues. Mmh. On ne demande pas d'être laxiste. C'est le laxisme que j'observe dans la plupart des familles. Il y a un collège à Douala, généralement avec ses enfants. Lorsque je l'observe, en classe, à un moment, j'ai arrêté le cours. J'ai fait 2 heures de temps avec eux, à les causer entièrement. Mmh. Et demander, mais qu'est-ce que vous comptez faire de votre vie? Je me suis rendu compte que les enfants ne rêvaient même pas. Ils sont là comme ça. Le papa sort le matin, il part au travail. La maman part vendre au marché. Il se retrouve le soir, chacun fait comme il veut. Causer avec l'enfant, ça n'exclut pas de mettre des limites. Mmh. C'est amener l'enfant à participer, à contribuer aux décisions qui concernent sa vie. Oui. Et la famille, l'appeler aussi à être responsable. Mmh. À l'intérieur, il y a, à défaut ou alors à côté du plaidoyer qui milite pour notamment que les enfants soient impliqués, que les parents, s'il faut agir ou s'impliquer dans le choix de leurs enfants, c'est juste dans la posture d'orientation. Que penses-tu faire? Est-ce que tu ne penses pas que ceci pourrait ainsi de suite? C'est une forme de négociation. Mais il y a quand même un univers qui est décrit, cet univers de la jeunesse. Binta, par exemple, se retrouve avec des groupes d'amis qui dansent tous les soirs, qui se droguent. Est-ce que c'est le visage aujourd'hui de la jeunesse? Pas forcément camerounaise. Est-ce que c'est véritablement le visage que la jeunesse présente? Je ne sais pas si je dois répondre à cette question. Il suffit de faire 2 pas et vous allez répondre vous-même à la question. Ah, bah parce que vous êtes passé par la caméra. Vous avez vu. Et puis, il y a aussi ce côté, les filles qui se décapent. C'est un véritable combat. Rester naturel, ce n'est plus évident. Justement. Et concernant ce combat-là, je donnerais la faute aux hommes. Ah bon? Bien sûr que ils sont pour rien, ceci. Je me dis, non, je ne suis pas féministe. Mmh. Je n'aimerais pas que vous faites ça. Mmh. Je dis tout simplement, on m'a demandé un jour si on pouvait te donner une journée dans la peau d'un homme, qu'est-ce que tu ferais? Je dirais, à tout point de rue, j'insulterais toutes les filles qui se sont décapées. Mmh, ouais. Oui, parce que je me dis tout de même que si c'est tentant, mais les hommes sont polis aussi. Je me disais en fait que si à chaque fois ils essayaient de chasser cela, si un homme dit à sa femme je ne veux plus que tu te décapes, je pense pas qu'elle le fera encore, surtout si elle aime la personne. Eh ben, de toutes les façons, c'est un peu discutable. Hein. C'est discutable, j'ai pas dit le contraire. C'est un peu discutable. Alors, lorsqu'on a terminé la rédaction du livre, il est désormais disponible et lorsqu'on regarde sur la toile, il y a beaucoup de causeries autour, de rencontres autour du livre. Est-ce qu'on peut se dire que l'objectif est atteint, les gens comprennent le message qu'on essaye de passer dans le livre? Les gens comprennent le message que j'essaie de passer dans le livre, mais le combat ne fait que commencer. Oui, justement, il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup. Mmh. Alors, s'il fallait présenter, on peut dire que Lynn Kamit, Ma passion perdue, c'est un livre qu'on pourrait ranger dans quel registre, en fait? Ma passion perdue, c'est un peu un engagement. Mm. C'est un combat.
que je mène, à fond même d'ailleurs. Parce que c'est un problème, les gens ne s'en rendent même pas compte à quel point frustrer un enfant impacte sur sa vie entière. Je connais des gens tout grands, il y a des choses, ont des frustrations dans la tête. C'est dû à l'enfant, c'est un peu comme quelqu'un qui a été brûlé dans une maison, qui a été attaqué par le feu dans une maison, mais il a survécu. À chaque fois, quand il voit le feu, il est d'abord frustré. Il y a beaucoup, même nos parents de nos jours, ils ont ce problème-là d'orientation. Ils ont cette façon de concevoir la vie. C'est dû à ce qu'ils ont aussi vécu. Oui, les déformations. Et justement, c'est dû aussi à ce qu'ils ont vécu. Je me dis qu'on peut réessayer de reconstruire notre société d'une certaine façon. Oui. Et je continue à dire, causer avec un enfant, demander le point de vue de l'enfant, ce n'est pas donner le champ des libertinages à l'enfant. Là, c'est différent. Oui. On ne demande pas, l'enfant doit rentrer imposé. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Non. Ou en tous les cas, vous restez le pionnier de la famille. Oui. Oui, c'est une belle histoire qui est racontée. Beaucoup de rebondissements. Il y a ce garçon un peu salaud. Je l'appelle un peu salaud parce qu'il a trompé Binta en lui faisant un enfant et puis il s'est dérobé. C'est le train-train quotidien. Il faut dire qu'il y a une belle histoire aussi d'amour. D'amour fraternel. Bon, je ne sais pas si je peux appeler fraternel, mais il y a Brice. Brice, et puis on s'attendait à ce que ça débouche sur une véritable histoire d'amour, mais ce n'est pas le cas. Alors, le personnage de Brice, c'est pour manifester ou présenter quel visage de l'homme? Le personnage de Brice, déjà, je vais commencer par Patrick. Patrick. Patrick, c'est le détracteur, oui. Lui, il présentait, il appelle les personnes qui se retrouvent généralement sur les réseaux sociaux de faire attention à tout ce qu'il rencontre. Il est bien vrai, moi, personnellement, si je prends mon cas, j'ai fait des très belles rencontres sur les réseaux sociaux. Si j'écris ce livre aujourd'hui, c'est à cause des réseaux sociaux, parce que j'ai rencontré une dame là. Elle avait un style littéraire, elle s'appelle Ernestine Bakou. Oui, oui. Elle avait un bon style avant. Bafoussam, je pense bien. Méan, oui. Méan m'influençait énormément. Je me disais que pour écrire, il fallait avoir vraiment une main lourde. Il fallait avoir le dictionnaire français dans la tête, si on voulait dire théâtre. Chaque fois quand je lisais ses publications en 2018, j'avais un dictionnaire, je ne vais pas le cacher. Je lisais toujours avec un dictionnaire. Il avait une façon d'écrire gros. La grammologie, c'était son style. Alors, quand je rencontre la dame à la dédicace, j'achète son livre, je lis. Je me dis, bon, on pouvait aussi écrire d'une façon aussi simple. Je termine le livre d'Ernestine et je me mets à écrire. Donc, c'est une façon de dire sur les réseaux sociaux, il faut juste savoir le canal qu'on emprunte. J'ai fait des très belles rencontres. Le docteur Basine Gono, qui préface ce livre, je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux. Moustapha Mouansien Joya qui fait la poussoire, je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux. Oui. Beaucoup, j'ai rencontré, j'ai fait tellement de belles rencontres. Mais vous n'avez pas rencontré l'amour sur les réseaux sociaux. Pardon? Vous n'avez pas rencontré l'amour sur les réseaux sociaux. Non. Patrick s'est montré comme un gars très amoureux. Justement. Et c'est ça, je vais attirer l'attention de la jeunesse sur ces différents genres de rencontres. Il faudra faire attention à ce qu'on rencontre. Et les réseaux sociaux sont bons et ça a déjà aussi détruit énormément de vies. Et alors, si je reviens sur le personnage de Brice, c'est l'espoir. Oui. Et déjà, la conception du roman part des couleurs sombres à la lumière, donc c'est l'espoir en fait. Ah, Brice, ici, c'est l'espoir que rencontre Binta. Déjà, que je commence le livre par la fin, et c'est une thérapie. Vous savez, généralement, quand vous avez un problème, le fait seulement de vous exprimer, de vous confesser, c'est une thérapie, c'est une façon de guérir. Alors, tout au long du livre, elle se confesse. Elle exprime ses sentiments les plus profonds. Elle raconte sa vie à Brice qui, enfin, lui remonte de morale. Et elle promet de pouvoir donc mener ce combat-là, de laisser son enfant, de guider son enfant vers le choix qu'il aurait voulu, en fait. Oui, le métier n'est pas héréditaire. N'imposez pas votre rêve à vos enfants, laissez-leur le choix, la possibilité notamment d'emprunter leur propre chemin, de commettre leurs propres erreurs, soyez juste le guide, l'épaule sur laquelle on va se pencher pour pleurer. Alors, le livre, on peut le trouver quand même en librairie, en bibliothèque. Oui, ici à Yaoundé, vous pouvez le trouver à la librairie des Peuples Noirs. Et à Douala aussi, 190, 99, 92, 41. Vous allez reprendre le numéro plus calmement pour ceux qui nous écoutent. 690, 99, 92, 41. Et 650, 88, 93, 97.
Alors, Lynn, Camille, t'es encore à Yaoundé, donc on peut vous rencontrer. Oui, on peut vous rencontrer. Jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche au moins. Alors, s'il fallait dire un dernier mot sur cette publication, c'est votre toute première. Est-ce qu'on est satisfait? Qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots pour se dire au revoir? En quelques mots, parlant des satisfactions, je dirais, s'il s'agit de ceci, je ne fais que recommencer mon combat. Il y a encore beaucoup de travail à effectuer, surtout autour du livre. Et comme dernier mot, je dirais bonne soirée à tous. Est-ce qu'il y a une suite? Parce que Binta ne reprend pas l'école, mais elle s'en va vers sa tante. On imagine que peut-être le tome 1, après le tome 1, il y aura le tome 2. Monsieur Foucault, je dirais que la vie n'est pas rose. La vie n'est pas rose. Oui. Donc, à chacun de construire la suite de l'histoire. Oui. D'accord. Mais à ma connaissance, j'ai atteint le but que je voulais. Oui. D'accord. La vie n'est pas rose. Et je pense qu'un roman, c'est pas le commencement d'une vie, mais c'est généralement une coupure. D'accord. Dans une vie. Commencer quelque part et vous terminer, vous laissez le personnage continuer, puisqu'en commençant, vous n'étiez pas là. Oui. En fait, c'est ça. Alors, Lynn Kamit, merci d'être passée à la radio Royal FM pour échanger avec nous sur votre livre « Ma passion perdue ». Merci, merci beaucoup à vous. Pause. Pourquoi j'écris pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que voilà, parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Hein. Quand j'écris ce roman, et j'écris tous les matins, à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs